Bien-aimé, bonjour. Avant de fermer cette note vocale, prenez le temps de l'écouter parce que je vais vous donner un message très intéressant. Je suis l'évangéliste prophète Éloge Ekissi depuis Bruxelles. Nous sommes à la fin de l'année et l'ennemi est en train de faire des plans. Et des plans qui ne sont pas en faveur des enfants de Dieu. Et moi, j'aimerais vous donner des prières puissantes et efficaces pour briser les plans de l'ennemi. Et alors que je suis en train d'enregistrer cette prière puissante pour briser le plan de l'ennemi, j'aimerais vous faire une doléance, partager à au moins 10 ou 20 personnes, parce que cette prière pourrait sauver la vie, la destinée, le couple, le mariage de quelqu'un. Pourquoi pas vous? Donc si je vous le partage, c'est parce que le Seigneur vous aime. Partagez et bénissez quelqu'un. Ne retenez pas la prière captive. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alors que nous plaçons les premiers mots de cette prière, nous allons commencer par dire merci à Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Dieu des esprits des prophètes, nous te louons. C'est la fin de l'année. Et alors que nous vaquons à nos occupations, alors que nous entreprenons nos derniers projets, nos dernières activités de l'année, l'ennemi fait des plans pour chercher qui sacrifier, qui détruire, qui anéantir. Par ma voix, en tant que serviteur de Dieu, évangéliste prophète, je viens apporter cette prière de réconfort à cette personne qui est en train de m'écouter, afin de lui dire qu'elle ne mourra pas, mais elle vivra. Éternel Dieu Tout-Puissant, je fais cette prière de protection, cette prière de délivrance, parce que tu as créé la circonstance pour que j'adresse une prière en faveur de tes enfants. Daigne écouter mes paroles et exaucer mes demandes, afin que l'on sache que l'Éternel notre Dieu est vivant. Bénis-nous alors que nous prions, conduis-nous alors que nous marchons, éclaire-nous alors que nous pensons et réfléchissons, instruis-nous alors que nous nous posons des questions, afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Petite exhortation. Bien-aimé, bonjour. Voilà, c'est l'évangéliste, prophète, Éloge Ekissi. On ne sait pas, parfois certains commencent les audios et les sautent. Donc je redis bonjour pour que vous compreniez quelle prière nous allons faire. Je vous recommande formellement de partager parce que c'est la fin de l'année. Nous voyons déjà ce que l'ennemi prépare. Nous allons prier pour briser les plans de l'ennemi. Nous allons prier pour débloquer vos vies. Mais pendant que nous sommes en train de prier, j'aimerais que vous suiviez les instructions afin que cette prière vous soit bénéfique. Très souvent, vous aurez l'impression que je parle très vite. C'est par habitude et pas stratégie. Mais s'il vous arrive d'entendre des paroles qui vous plaisent, veuillez mettre une pause et répéter la parole qui vous a captivé ou qui vous touche le plus pendant un bon moment avant de continuer. Mais s'il arrive que vous soyez confortable avec la vitesse à laquelle je prie, vous pouvez laisser l'audio couler encore et encore, juste à ce que vous soyez convaincu d'avoir prié. Mais surtout, sachez une chose bien-aimée, cette prière a été inspirée afin que vous puissiez briser les plans de l'ennemi en cette fin d'année. Pourquoi pas en ce début d'année? Voici la raison pour laquelle je me permets à cette heure-ci d'enregistrer cette note vocale depuis Bruxelles où je suis temporairement. Notre séjour à Bruxelles a été un succès parce que nous avons su comment prier, comment nous préparer. Le rendez-vous avec le destin a touché le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent d'en parler. Vous aurez certainement cela sur Océan des Grâces. Et si quelqu'un dit que ces prières l'ont touché,
allez sur ODG TV. Vous tapez ODG TV et logique ici sur YouTube et vous me trouverez. Entre-temps, nous allons commencer à prier pour que cette prière soit une bénédiction pour vous. Nous allons demander pardon à Dieu au cas où il y aurait des paroles, des actions, des pensées qui pourraient faire obstacle à cette prière et nous accuser. La parole de Dieu dit en Ésaïe qu'il y a des actions qui témoignent contre nous. Vous allez répéter ces paroles avec moi afin que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous allez dire votre nom. Par exemple, moi, Éloge Ekissi, de la famille Ekissi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi, Éloge Ekissi, de la famille Ekissi, originaire de la Côte d'Ivoire. Je te demande pardon pour tous mes péchés qui témoignent contre moi. Je te demande pardon pour tous les regards qui témoignent contre moi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai l'habitude d'écouter et qui témoigne contre moi. Je te demande pardon pour toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche et qui témoignent contre moi. Je te demande pardon pour toutes les actions que j'ai posées avec ma bouche et mes mains et qui témoignent contre moi. Je te demande pardon pour tous les jugements que j'ai portés sur autrui et qui me bloquent aujourd'hui. Je te demande pardon pour toute injustice que j'ai commise et qui témoigne contre moi. Je te demande pardon pour toutes les paroles méchantes qui sont sorties de ma bouche et qui témoignent contre moi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout jugement que j'ai porté sur la vie d'une personne innocente et qui témoigne contre moi. Je te demande pardon pour tous les actes de mon père, de ma mère et de ma famille qui témoignent contre moi. Au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare que ce sont nos iniquités qui témoignent contre nous et t'empêchent de nous écouter. Seigneur, je me crois peut-être juste alors que je suis coupable. Je crois peut-être être bien alors qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées. Je te demande pardon pour les péchés oubliés. Je te demande pardon pour les actions répugnantes que j'ai pu poser et qui me plaisent alors que toi, tu les vois comme une abomination. Je te demande pardon pour les comportements sexuels qui empêchent les enfants de Dieu d'avoir l'onction. Je te demande pardon pour toutes les abominations commises avec la bouche qui font que tu n'écoutes plus la prière de tes enfants. Je te demande pardon pour avoir livré nos oreilles au commérage, raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'entendent plus la voix de Dieu. Je te demande pardon pour avoir livré nos yeux aux images, aux vidéos qui nous empêchent d'avoir des visions claires. Je te demande pardon d'avoir cédé aux pensées impures, pensées méchantes, pensées de haine, pensées de doute et de suspicion qui nous empêchent d'avoir la puissance mentale. Nous te demandons pardon pour toutes les actions que nous avons posées avec nos pieds, nos mains, nos corps, nos âmes et nos esprits et qui nous empêchent de manifester la divinité, la puissance redoutable et surnaturelle de Dieu. Père, je suis coupable, car il est écrit qu'aucun vivant sur terre n'est juste. Je te demande pardon pour toutes les fois que nous avons manqué de respecter le sabbat, pour toutes les fois que nous avons dit des choses qu'on ne devrait pas, écouter des choses qu'on ne devrait pas, regarder des choses qu'on ne devrait pas, penser des choses qu'on ne devrait pas, méditer dans nos cœurs des choses qu'on ne devrait pas, faire avec nos corps, nos bouches, nos mains ce que tu n'as jamais aimé. Pardonne-nous d'avoir vécu comme des êtres humains charnels alors que nous étions spirituels. Pardonne-nous pour toutes les abominations et les comportements qui nous bloquent. Pardonne-nous pour les habillements qui témoignent contre nous. Pardonne-nous pour t'avoir corrigé. Parce que Père, tu as créé chaque être humain selon ta volonté. Mais très souvent, nous voulons ressembler aux autres et nous perdons notre identité. Lave-nous de tous nos péchés. Au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimé, la raison pour laquelle j'ai donné ces paroles, c'est que avant que mon ministère n'éclate à travers le monde entier et que les gens ne me découvrent, le Seigneur voulait que je le serve. Mais moi, j'avais mes visions à moi. Du moins, je voulais obliger Dieu par mes prières à accomplir mes volontés d'abord avant que je n'accepte de faire ses volontés. Je voulais obliger Dieu à me mettre dans quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Et j'ai menti à Dieu. Parce qu'à l'époque, je disais à Dieu, si tu me donnes l'argent pour faire ça, je le ferai. Et dès que j'avais un peu d'argent, je faisais le contraire. Et après, je revenais et je lui disais, si tu me donnes plus d'argent, je le ferai. Tantôt il me parlait, je n'écoutais pas. Mais je voulais obligatoirement que Dieu fasse d'abord ce que moi je voulais avant que je fasse ce que lui veut. Beaucoup de gens ont un appel sur eux, un choix sur eux. Dieu les a envoyés sur terre pour ce point. Car il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais comme toutes ces personnes qui aujourd'hui prient à tue-tête, mais en ignorant la volonté parfaite de Dieu, d'où elles seraient heureuses, bien et bénies, en ignorant qu'elles sont venues sur cette terre des vivants pour accomplir une mission parfaite, bénie, remplie de bénédictions et de bonheur. Moi aussi, je voulais que Dieu accomplisse ma volonté d'abord. Mais pour être honnête, à un moment donné, le Seigneur en avait marre de mon entêtement et de ma résistance à sa volonté. Et un jour, il m'a donné un avertissement formel et sévère en disant ce mot. Cette voix que tu t'es choisie témoignera contre toi. C'est là que j'ai pris conscience que je faisais quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Alors je lui ai demandé pardon. Voici la raison pour laquelle nous avons demandé pardon. Parce que la parole de Dieu déclare que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que alors que tu pries, s'il n'y a vraiment rien qui témoigne contre toi, s'il n'y a pas de cause à ton malheur, rien ne peut te bloquer. En d'autres termes, pense à ce qui te bloque. Cherche à comprendre ce qui te bloque. Et enlève-le et il n'y aura plus de malédiction. Voici la raison pour laquelle je brise toute malédiction sur ta vie maintenant. Je détruis toutes les condamnations sur ta vie. Je brise tous les malheurs qui pèsent sur toi. Au nom puissant de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour te laver et pour briser tout ce qui témoigne contre toi. Prions dans le saint et puissant, honorable nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande de me laver de tous mes péchés, de me purifier de toutes les impuretés dans ma bouche. Purifie-moi de toutes les impuretés dans mes yeux. Purifie-moi de toutes les impuretés qui sont survenues dans mes oreilles, parce que j'ai écouté des paroles de commérage et de blasphème, des critiques et de jugements venant de la part de mes semblables. Pardonne-moi pour toute fois que je n'ai pas fait preuve de rigueur en livrant mes yeux à des choses qu'il ne faut pas, mes oreilles à des commérages, ma bouche à des paroles qu'il ne faut pas, mes pensées et mon cœur à des imaginations qu'il ne fallait pas. Seigneur, lave-moi et détruis tout ce qui témoigne contre moi, au nom de Jésus. Seigneur, lave-moi et détruis toute vie passée qui témoigne contre moi, dans le nom de Jésus. Seigneur, lave-moi et détruis tout péché de mes parents qui témoigne contre moi, au nom de Jésus. Seigneur, lave-moi et détruis toutes les mauvaises amitiés qui témoignent contre moi, dans le nom de Jésus. Seigneur, lave-moi et détruis tous les mauvais choix que j'ai faits qui témoignent contre moi. Seigneur, lave-moi et détruis tout comportement sexuel du passé qui témoigne contre moi. Seigneur, lave-moi et détruis toute impudicité qui témoigne contre moi au nom de Jésus. Seigneur, lave-nous et détruis toute convoitise qui témoigne contre nous. Seigneur, lave-moi et détruis toute malédiction qui témoigne contre moi. Seigneur, lave-moi et détruis tout manteau maléfique qui témoigne contre moi. Seigneur, lave-moi et détruis
tout adultère de nos parents et nous qui témoignent contre moi. Au nom de Jésus, Seigneur, lave-moi et détruis toute loi mystique ou diabolique dans ma famille qui témoigne contre toutes les vies. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, tu vas faire cette prière encore avec moi. Mais surtout, n'oublie pas cet ordre formel que le Seigneur me donne. Partagez cette prière pour ne pas être responsable de quelque chose qui arriverait à quelqu'un parce que vous avez omis ou omise de partager cette prière. Nous allons faire quelque chose. Répétez avec moi. Seigneur, si j'ai été vendu par la sorcellerie familiale, je brise tous les pactes par lesquels j'ai été vendu et je libère mon âme au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été livré en sacrifice, je brise la parole de toute personne dans ma famille qui m'a livré en sacrifice au nom puissant de Jésus. Seigneur, si ma vie ou mes années de vie ont été vendues, je brise la vente et je libère ma vie et mes années de vie au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été condamné à souffrir par la sorcellerie, je brise la condamnation au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a un délai qui m'a été fixé pour mourir, je brise le délai et je l'annule au nom puissant de Jésus. Seigneur, si je me suis moi-même vendu par le péché, je brise tous les péchés, toutes les transgressions par lesquelles je me suis vendu et je me libère au nom de Jésus. Seigneur, si quelqu'un de ma famille m'a vendu, je brise les contrats et les accords mystiques par lesquels j'ai été vendu et je libère mon âme au nom de Jésus. Je brise toutes les malédictions par lesquelles j'ai été vendu. Je brise toute alliance par laquelle j'ai été vendu. Je brise tout programme de mort qui a été fait contre moi. Je brise toute maladie dans mon corps. Je brise toute âme forgée contre moi pour me tuer. Je brise tout délai qui a été fixé pour ma mort au nom puissant de Jésus. Seigneur, si j'ai été bloqué par la sorcellerie, je brise et j'annule tout ce qui a été fait pour me bloquer au nom puissant de Jésus. Seigneur, si j'ai été livré par les membres de ma famille, je détruis tout ce qui a été fait pour me livrer au nom de Jésus. Je prophétise que toute personne qui a décidé ma mort mourra à ma place à la date qu'elle m'a fixée selon le délai déterminé au nom de Jésus. Je prophétise que tout agent de la sorcellerie qui m'a livré pour être tué mourra à ma place à la date qu'elle a fixée selon le délai qu'elle a déterminé au nom de Jésus. Je prophétise que tout sorcier de ma famille qui m'a livré pour être sacrifié mourra à ma place à la date qu'elle a fixée selon les circonstances qu'elle a prévues pour ma mort au nom puissant de Jésus. Je prophétise que toute personne autour de moi ou dans ma famille qui m'a livré pour être sacrifié mourra à ma place selon la circonstance qu'elle a déterminée et le délai de l'accomplissement de cet acte abominable au nom puissant de Jésus. Je prophétise que toute personne qui s'est approchée de moi pour voler mon étoile soit frappée par la colère de Dieu et bannie de ma liste d'amis au nom puissant de Jésus. Je prophétise que tout agent des ténèbres qui s'est rapproché de moi pour connaître mes secrets soit frappé et dispersé au nom de Jésus. Je brise toute chose qui sert à mes ennemis pour réclamer et faire valoir leurs droits contre moi au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute chose qui sert à mes ennemis pour faire valoir et réclamer leurs droits contre moi au nom puissant de Jésus. Je détruis le pouvoir de toute parole, des découragements et des dépressions, d'oppression que j'ai déclaré et dont mes ennemis se servent contre moi au nom de Jésus. Je brise et j'annule toute parole que l'ennemi a saisie de ma mère, saisie de mon père, arrachée dès qu'elle a été déclarée et s'en sert contre moi au nom de Jésus. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché me juge. Que celui qui n'a jamais péché contre Dieu m'accuse.
Je brise le pouvoir de toute langue maléfique et de toute pensée qui m'accuse au nom puissant de Jésus. Je brise le pouvoir de tout jugement qui a été placé sur ma vie au nom puissant de Jésus. Je brise tous les plans de l'ennemi concernant mon mariage au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout procès de divorce qui a été fait contre moi. Je brise et je détruis tout procès d'annulation qui a été fait contre moi. Je brise et je détruis toutes les prières méchantes qui ont été faites à mon insu par les envoyés du diable afin de détruire mon couple et ma vie au nom de Jésus. Je brise et je détruis tous les procès qui ont été faits contre moi parmi des amis, avec des amis au nom de Jésus. Je brise et je détruis tous les procès et les jugements qui ont été intentés contre moi par un groupe d'amis qui a trouvé l'occasion de me dénigrer et insulter au nom de Jésus. Je brise et je détruis toute loi mystique qui a été établie contre moi par mes ennemis au nom de Jésus. Je brise tout contrat de mort qui a été signé contre moi par la sorcellerie familiale. Je brise tout contrat de mort qui a été signé contre moi par une sœur de la même famille que moi. Je brise toute autorisation donnée par un frère dans le monde des ténèbres pour que je sois livré. Je brise tout accord, toute procuration, toute permission, tout dossier approuvé par la sorcellerie familiale pour que je sois tué au nom de Jésus. J'ai détruit tous les droits maléfiques que l'ennemi a obtenus contre moi au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tous les fétiches qui parlent et témoignent contre moi au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait pour me bloquer. Je brise et je détruis tout ce qui a été dit pour me bloquer. Je brise et je détruis tout ce qui a été dit pour me vendre. Je brise et je détruis tous les cauchemars qui révèlent les réalités spirituelles au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait pour me lier. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait pour m'attacher. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait pour m'enterrer. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait pour me vendre. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait pour freiner mes projets au nom puissant de Jésus. Je détruis le pouvoir et les rituels, les incantations de ceux qui se mettent nus dans mes rêves pour voiler mon visage. Je brise et je détruis tout rêve dans lequel je m'étais vu nu ou j'ai vu des gens qui se sont dénudés pour noircir mon visage et je l'annule au nom de Jésus. Esprit de révélation de l'Éternel, tombe sur moi. J'invoque sur moi l'esprit de révélation et j'ordonne à mes yeux spirituels de s'ouvrir, à mes oreilles de s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Je brise le voile de la sorcellerie familiale. Je brise le voile de l'occultisme. Je brise le voile du maraboutage au nom de Jésus. Je brise toutes choses qu'ils ont utilisées pour me fermer les yeux afin d'opérer tranquillement sans être dérangé. Mes yeux spirituels, je vous le donne. Ephrata, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous et voyez dans le spirituel au nom puissant de Jésus. Seigneur, si mes yeux spirituels ont été volés, j'ordonne leur restitution et restauration avec un effet immédiat. Que celui ou celle qui refuse de les restituer ou qui veut les échanger soit décapité par le tonnerre au nom de Jésus. Seigneur, si ma voix a été spirituellement tuée, ressuscite ma voix afin qu'elle ait de la valeur aux oreilles des hommes. Ressuscite ma voix au nom puissant de Jésus. Seigneur, si ma voix a été éteinte, réveille-la. Si mon étoile a été éteinte, réveille-la. Si mon soleil a été éteint, réveille-le. Si ma lune a été éteinte, réveille-la, car il est écrit que mon soleil ne se couchera point, ma lune ne se couchera point, ne s'obscurcira point. En d'autres termes, Seigneur, il est écrit que mon soleil ne s'éteindra point. Mon étoile ne s'éteindra point. Ma lune ne s'éteindra point. Je détruis donc tout ce qui a été fait par la sorcellerie pour me réduire au silence. Je brise et je détruis tout ce qui a été fait
pour me mettre au rang de ceux qui sont morts. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour me bannir de la terre des vivants. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour m'enterrer. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour me vendre. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour me mettre à mort. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour attacher mon âme au nom de Jésus. Seigneur, envoie ton épée pour briser les liens avec lesquels j'étais lié au village. J'étais attaché au village. J'étais enterré au village. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour détruire ma destinée au nom de Jésus. Je détruis maintenant toute flèche mystique, diabolique, qui a été lancée contre tes pensées au nom puissant de Jésus. Je détruis toute flèche de trouble mental, toute flèche de folie, toute flèche de troubles obsessionnels. Je neutralise les œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus. J'ai brisé, rend sans effet, toutes les attaques contre ton intelligence, toutes les manipulations des pensées à distance qui créent la migraine au nom de Jésus. Que toutes les œuvres de la sorcellerie ciblées contre tes pensées soient brisées et annulées, soient cassées et détruites au nom puissant de Jésus. J'invoque la puissance de Dieu sur ta vie et j'ordonne ta délivrance avec un effet immédiat. Je vais par la parole à l'endroit où le travail a été fait contre toi. Et je brise toutes les pratiques qui provoquent le mal des têtes, la migraine. Je retire ton cerveau de leur marmite mystique et diabolique. Je retire tes yeux de leur marmite mystique et diabolique. Je retire ton intelligence de leur marmite mystique et diabolique. Je retire tes pensées du contrôle des forces occultes oppressant ton cerveau. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout jugement que ton cerveau est en train de subir dans le monde mystique. Je détruis tous les ordres que ton cerveau est en train de subir dans le monde mystique. Je détruis toutes les œuvres que ton cerveau est en train de subir dans le monde mystique. Je brise et je rends sans effet toutes les attaques du monde occulte. Je détruis les jugements, je les annule. Les condamnations, je les brise. Les ordonnances diaboliques, je les supprime. Les ordres du monde des ténèbres, je les bloque, je les annule, les rends sans effet. Reçois maintenant la santé mentale. Reçois maintenant la liberté. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je libère ton cerveau des mains de ceux et celles qui contrôlaient tes pensées. Je libère ton intelligence. Je libère ta sagesse. Je libère ton potentiel. Je libère le pouvoir mental que Dieu t'a donné. Je libère le pouvoir de la créativité de ton subconscient, des mains des forces qui manipulaient tes pensées, qui te rendaient malade au nom de Jésus. Je brise et je détruis toutes les œuvres de la sorcellerie concernant ta vie. Je détruis tous les plans mystiques au nom de Jésus. Je brise maintenant toutes les discussions qui ont eu lieu dans le monde des ténèbres pour la vente de ton intelligence et je te remets ton intelligence au nom de Jésus. Je brise et je détruis toutes les lois qui ont été établies contre ta destinée et je déclenche ta destinée. Je détruis toutes les œuvres du monde et des ténèbres. Je les casse, je les brise, je les supprime au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de toute personne qui a donné ton cerveau en sacrifice. Je détruis la puissance de toute personne qui a vendu ton intelligence ou qui l'a donné en sacrifice. Je brise et je détruis les paroles des hommes et des femmes voulant t'utiliser dans le monde des ténèbres pour en faire leur successeur. Que les œuvres de la sorcellerie soient détruites et annulées. Que les plans du monde des ténèbres soient brisés et bloqués. Que les projets de la sorcellerie familiale concernant ta vie soient brisés au nom de Jésus. Que les délais des rétrogradations et des divorces conçus contre toi depuis le monde des ténèbres soient brisés au nom de Jésus. J'ai détruit les œufs de basilic qui ont été enfantés contre toi. J'ai détruit le néant qui a été envoyé dans ta vie. Je brise toutes les attaques du monde des ténèbres au nom de Jésus. Que tous ceux et toutes celles qui t'ont encerclé pour te faire du mal soient dans la honte. Que tous ceux et toutes celles qui t'ont encerclé pour te tuer soient dans la honte. Que tous ceux et toutes celles qui t'ont encerclé pour te ramener des forces en arrière soient brisés, qu'ils soient dispersés par la main puissante et redoutable de l'Éternel notre Dieu. J'envoie maintenant la calamité dans la vie de tes ennemis.
J'envoie la peste dans le camp de tes ennemis. Que la contagion les frappe en plein midi. Que la contagion les dévaste en plein sommeil. Que la colère de Dieu s'abatte et s'effondre sur eux dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils s'écroulent chaque fois qu'ils veulent se lever. Qu'ils aient le vertige chaque fois qu'ils veulent lever la tête en haut. Qu'ils voient le feu, le tonnerre chaque fois qu'ils baissent la tête. Et que le vent et la terre ne leur soient jamais favorables. J'appelle les jugements des éléments contre tes ennemis. Que tout ce qui devrait être pour eux un bonheur soit une raison de tourment dans leur esprit. Je donne un ordre formel à la terre. Et je demande à la terre de s'ouvrir à chaque endroit où il pose le pied. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Éloge et Kissi, prophète de l'Éternel, je le déclare. J'envoie la terre en guerre contre tes oppresseurs. J'envoie le vent en guerre contre tes oppresseurs. J'envoie le feu en guerre contre tes oppresseurs. J'envoie les éléments naturels en guerre contre nos oppresseurs. Que tous ceux qui font la guerre à nos âmes soient tourmentés par l'épée des jugements de l'Éternel. Que leur sommeil devienne des cauchemars et non un moment de repos. Que leur sommeil les tourmente, que leur esprit leur parle constamment, les accuse constamment. Que leur esprit, que leur âme soit tourmentée, soit agitée au-dedans d'eux. Que la colère de Dieu soit leur portion. Que la rage de l'Éternel soit leur déchaînée. Je programme des missiles dans l'eau, qu'ils n'en boivent pas. S'ils touchent de l'eau, qu'ils explosent. Je programme le feu dans leur camp. Je programme la confusion dans leur esprit. Que chaque fois qu'ils voient le soleil, que cela soit une cause de migraine pour eux. J'envoie l'épée en guerre. J'envoie la hache pour les combattre. Je déclenche une guerre spirituelle contre eux et qu'ils soient tourmentés jusqu'à ce qu'ils confessent leur méchanceté. Que tous ceux qui ont juré que tant qu'ils vivent entre le ciel et la terre, tant qu'ils respirent, ta vie serait un calvaire, récolte les conséquences de leurs propres paroles, leurs décisions et leurs déclarations. Moi, Éloge et Kissi, en tant que serviteur de l'Éternel et prophète, que toutes ces paroles que je décrète s'accomplissent dans le camp de tes ennemis avec un triple effet immédiat à mesure que tu reçois. Reçois une faveur incommensurable, reçois une bénédiction illimitée, reçois une impactation divine et le réveil total de tous tes dons et potentiels. Que tout ce qui était mort en toi revienne à la vie. Je brise maintenant l'esprit de l'irrespect des lois de Dieu que le monde des ténèbres veut t'envoyer pour te bloquer. Que toute chose qui témoigne contre toi depuis le monde des ténèbres soit brisée au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce que tes parents ont fait pour te vendre. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour te livrer en sacrifice. Et je récupère ton mariage des mains de ceux qui l'ont sacrifié. Je récupère tes destinées des mains de ceux qui veulent les vendre pour avoir des grades dans le monde des ténèbres. Je libère ton âme, je libère ton cœur des mains de ceux qui l'ont acheté. Je libère ton étoile des mains de ceux qui l'ont racheté des mains de tes parents. Au nom puissant de Jésus. Voici la raison pour laquelle, par ma voix, je voudrais que tu déclares ces paroles avec moi. Ma destinée, je te l'ordonne. Le temps est arrivé. Réveille-toi et manifeste-toi au nom de Jésus. Ma destinée, je t'appelle dans le nom de Jésus. Réveille-toi et manifeste-toi au nom de Jésus. Ma destinée, en 2023, tu connaîtras des exploits. Réveille-toi et manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, remets le respect de tes lois en moi. Remets l'amour de ta parole en moi. Remets l'amour de la prière en moi. Remets la joie de ta maison en moi. Et débarrasse mes pensées des ordres mystiques et diaboliques. Débarrasse ma tête de la douleur. Au nom de Jésus, je bannis la migraine. Je bannis la souffrance. Je bannis les troubles de langage. Je bannis les troubles obsessionnels. Je bannis les esprits de divination. Je bannis toute guerre spirituelle déclenchée contre mon subconscient. Je bannis toutes les voix qui parlaient dans ma tête. Je bannis l'oppression mentale pour m'empêcher d'avoir des visions claires. Je bannis les envoûtements à la base de la douleur mentale.
et des pensées négatives. J'ai détruit le filet qui a capturé mon cerveau. J'ai détruit les liens de l'ennemi. Je brise le filet de l'oiseleur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si mon cerveau a été donné en sacrifice, je le rachète au nom de Jésus. Seigneur, si mon intelligence a été donnée en sacrifice, je la rachète au nom de Jésus. Seigneur, si mon mariage a été jugé dans le monde des ténèbres et annulé, je le restaure. Je refuse d'obéir aux ordres de mes ennemis. Mon âme et mon esprit résistez de toute force, avec énergie, à tout ordre qui vous a été donné. Mon cerveau reçoit la guérison. Mon intelligence reçoit la paix. Mon cœur reçoit l'amour. Mes pensées recevez la guérison et la stabilité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous couvre de son sang. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Transférez cette prière à quelqu'un pour sauver sa vie. Ne retenez pas la prière captive. Sauvez une vie avec partagez à tous les membres de votre famille. Et que la main de l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Voilà, c'était l'évangéliste prophète Éloge Ekissi. Éloge Ekissi, E-U-L-O-G-E-E-K-I-S-S-I. C'était l'évangéliste prophète Éloge Ekissi. Je suis de passage à Bruxelles. Donc voilà, après le rendez-vous avec le destin, j'ai décidé de faire cette petite prière, surtout que c'est la fin de l'année, afin que vous puissiez la répéter et partager à autant de personnes que vous voulez, afin d'en faire une raison de joie pour quelqu'un. Voilà, si quelqu'un dit que cette prière lui a fait du bien, allez-y au www.océandegrâce.com, océandegrâce.com, ou tout simplement recherchez notre chaîne de prière sur YouTube, faites ODG TV et vous mettez Éloge Ekissi. ODG TV, Éloge Ekissi sur YouTube, et abonnez-vous en activant toutes les la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si quelqu'un dit qu'il a besoin de plus de prières, allez tout simplement sur océandegrâce.com, notre site internet, océandegrâce.com, océandegrâce.com. C'est là que nous mettons toutes les prières de délivrance. Et lorsque vous arrivez sur océandegrâce.com, créez un compte pour accéder à la salle des prières. Si vous ne créez pas de compte, vous ne pourrez pas vous connecter pour accéder à la page des prières. Voilà, nous avons aussi des puissants livres de prières qui pourraient vous aider. Tous ceux et toutes celles qui les ont utilisés ont eu des témoignages incroyables à travers le monde entier. Il y a Les mauvais rêves, comment les briser, un livre qui vous permet de briser les mauvais rêves et de prier pour la réalisation de toutes les promesses de Dieu dans votre vie. Il y a Né pour combattre le diable, un puissant livre de délivrance contre les œuvres de la sorcellerie. Il y a Protection maximale. Il y a aussi Comment prophétiser. Et le nouveau livre qui va sortir d'ici quelques temps est Un jour pour toucher le cœur de Dieu. Bien-aimé, un chrétien qui ne sait pas prier est à la merci de ses ennemis. Ils viennent, ils couchent avec lui, ils manipulent sa vie, ils lui donnent à manger, ils manipulent à son âme. Tu es tout en village en rêve, on te manipule, tu vis, mais tu ne vis pas ta vraie vie. Voilà, cette prière a pour but de vous aider. Et si quelqu'un dit qu'il a besoin de prière, nous prions seulement en ligne. Mon numéro de téléphone, au cas où vous aimeriez de temps en temps recevoir des vocaux, c'est le +1 438 995 4109, +1 438 995 4109, +1 438 995 4109. Notez bien qu'à Océan des Grâces, nous apprenons aux gens à prier. Si quelqu'un dit qu'il a besoin de prière, rendez-vous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Éloge Ekissi. Et surtout, n'oubliez pas de partager et ne retenez pas la prière captive. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Soyez bénis vous aussi. Amen.